Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo passant à 6 étoiles. Alors je vous le dis tout de suite, Mobizen a bugué au moment que j'ai passé mon 6 étoiles, au moment que j'ai invoqué mon Light and Dark. Cette semaine j'ai passé Sigmarus 6 étoiles. Vous l'avez demandé dans les commentaires, donc j'ai passé Sigmarus. Il me servira en arène avec un Avel en leader, donc il aura 200% de dégâts crit. Ça sera intéressant. J'ai chopé Shren dans mon Light and Dark, ça a bugué à mort. Voilà, regardez. Il est là, il y a 5 minutes. Ça a complètement bugué, je suis complètement déçu. Donc si aussi vous avez des bugs de Mobizen, si vous faites des vidéos avec Mobizen, si vous avez des techniques pour pas que Mobizen se ferme et que la vidéo soit arrêtée et qu'elle soit pas enregistrée, bah ça m'aiderait beaucoup. Si vous pouvez me faire ça dans les commentaires, ça serait sympathique. Parce que là, ça m'énerve, parce que j'ai fait une vidéo et ça a bugué. Donc les vidéos, elles sont pas longues. C'est chiant en fait. C'est un peu barbant. Bon bref, choisissez mon prochain 6 étoiles. Donc il y a ces monstres-là. Et il y a aussi des monstres dans le stockage. Pour me servir en défense. Il y a les 2 étoiles, foutez pas de moi non plus. Vous pouvez prendre n'importe quelle 3 étoiles. J'ai envie de faire une def avec Freya, double Sonora, Rina en rush hour. Je pense que ça tient, c'est trop chiant, donc personne va l'attaquer. Mettre trop de temps à la tuer. C'était Sigmarus 6 étoiles. Je vais m'en servir en arène, donc j'ai pas besoin de le skill up. Peut-être pour les dégâts, mais j'ai pas envie de mettre des Diablemon pour l'instant dans Sigmarus. J'ai d'autres priorités. Il va être runé pendant le FRR, donc je vous ferai une vidéo pendant le FRR pour runer Sigmarus tous les deux. Avec Tark et Sigmarus. J'espère que passer des 6 étoiles, ça vous intéresse. C'est la première vidéo sur passons à 6 étoiles. J'appellerai ça comme ça. Passons à 6 étoiles. Épisode 1. Hashtag 1. Sigmarus gagne 15% d'autocrit à l'éveil, donc c'est intéressant. Si vous avez envie de que je teste de vos monstres, par exemple, j'ai vu qu'on m'a demandé pour tester Brandia et Faye. Pour l'instant, j'ai pas envie de tester des monstres 5 étoiles natifs. De faire des petits plans dessus parce que j'ai envie de vous construire une team GB10 avec des petits plans en fait. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Si ça t'a pas plu, bah, tu mets le pouce rouge, je m'en fiche. Construis un commentaire correct. Pas obligé de m'insulter, je m'en fiche en fait, tout simplement. Voilà, c'était Melvin pour cette vidéo. Passons à 6 étoiles, Sigmarus. La prochaine fois, j'espère que vous me demanderez de passer un Nuker encore. J'aime bien les Nukers dans ce Summoner's War. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, en fait. J'ai beaucoup de support, j'ai pas de 5 nat gros Nuker, en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien avoir. Bon, c'était Melvin pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera à la découverte des monstres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolé pour le bug de Mobizen. Et puis, bah. Bye bye.